Allez, salut à tous les amis, c'est Lotouple, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et je suis encore avec Yanamu pour vous proposer du Civilization 5 et je viens de te couper la parole abominablement. C'était juste trop beau. Oh, bonjour à tous les amis, donc ici Yanamu, moi. Ah oui, pardon, ouais, c'est vrai, je le prononçais mal, je m'en excuse, c'est ma faute. Non, mais c'est pas grave. Donc j'espère également que vous allez bien, donc en route pour ce troisième épisode. Pensez, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir l'interlude entre le deuxième et le troisième épisode sur ma chaîne directement. Sur sa chaîne de beat. Pour le prochain interlude, je vous promets du lourd, du très très lourd. Ah oui, du lourd. Bon, alors on a joué un petit peu. On précise, pardon, qu'est-ce que tu disais? Notamment un petit extrait vidéo où c'est que tu racontes. Oh, c'était tellement. non. Arrêtons de parler de ça, s'il te plaît. Hein? Oui, donc je disais. On a joué un tout petit peu après la fin de l'épisode 2 normalement et on a voilà j'ai gagné quelques citoyens, on a produit un petit peu. J'étais en bénéfice mais je suis retourné en déficit. Voilà, donc sachez. Mais j'ai accumulé un petit peu, j'ai 132 d'or, j'étais en âge d'or, j'ai 12 de bonheur, 15 de culture. Bref, tout se porte pour le mieux pour l'instant. J'ai réussi à récupérer mes ouvriers. Contre les, enfin c'est les bifaces barbares qui, les bifaces de la mort de l'infini qui m'avaient capturé mes ouvriers, j'ai réussi à les récupérer. Bon ça a été chaud. Hein. J'ai dû engager 3 unités là, 2 bataillons de guerriers pourriers et un lancier et ça a été chaud hein, parce qu'ils étaient dans leur petit camp là, bien cachés et bien placés. Bien à l'abri. J'ai galéré. Mais bref, j'ai réussi à les récupérer, j'ai enrayé la menace barbare autour de mes villes et je pense produire quelques colons histoire d'aller m'en faire, de me faire 2-3 villes en plus là, parce qu'il faut qu'on s'étende un petit peu là, il faut qu'on fasse grandir l'Empire et puis qu'on aille défoncer Pascal là qui se développe aussi. Pendant ce temps, Yanamu, toi tu fais face aux barbares hein. Les barbares sont encore complètement présents. Complètement. Moi, je fais face aux barbares. Il y en a dans tous les sens. Mais là, je suis en train d'aller directement les exterminer. À coup de guerriers pictes, celtes de la mort. Ah oui, voilà. Alors, tes pictes, guerriers pictes, celtes, qui sont des unités spéciales, ce sont des spadassins, je suppose. Non, ce sont des guerriers. Oui, mais c'est des spadassins, quoi, non? Ils ont non, des non, épées, des boules. Bref, ouais, on s'est compris. Ouais. Une frappe dure. Ah ouais. Et bon. Voilà, ben, on en était là, c'est exact. Et donc c'est quand tu veux, Jean-Mi, passer le tour. Oui, c'est exact, excusez-moi, je passe le tour, ne perdons pas plus de temps. Oh, au niveau du score, comment on est à la ramasse. Attends, t'inquiète pas, on va remonter bientôt. On est à 566, bon c'est vrai, on est les derniers. C'est pas très grave, on est en 1000 après Jésus-Christ, 110e tour. Bon. Je pense qu'on va faire comme ça dorénavant, on va avancer un tout petit peu après vidéo, histoire de, voilà, de... Tout à fait, vous pourrez donc retrouver ces extraits directement sur ma chaîne. Ah, voilà, on va faire comme ça. Voilà, on va faire comme ça, histoire de... S'il y a un truc intéressant à regarder, comme ça, vous le verrez, vous le saurez, vous serez informé. Toi, tu te soignes, ma chérie. Là, tu vas affronter les bifaces de la mort. Les bifaces. J'hésite à commencer le commerce. Non, pas encore. Je vais faire élitérienne et après, je commencerai le commerce en termes de doctrine. Tiens, d'ailleurs, je vous avais pas dit. Je crois que je vous avais pas montré. J'ai pris pouvoir collectif, donc qui améliore la vitesse de formation des colons ou monarchie. Je sais plus ce que j'ai mis. Non, je crois que j'ai pris monarchie. Je sais plus ce que j'ai fait. Bref. Ça m'apporte plein d'avantages. Bon, ici, je vais construire une ferme. Je vais construire aussi des comptoirs parce que je suis en déficit. Et il faut que je gagne de l'or. Si on veut faire la guerre plus tard, pour l'instant, on améliore l'agriculture. Je crois que je vous avais pas montré, mais j'ai aussi réussi à construire une case de vin. Hein, ressource de luxe, ça m'a fait augmenter le bonheur. C'est très, très, très utile. Avant de terminer ton tour, Learn, tu vas cliquer sur une de mes villes. Juste pour voir mon magnifique moins 26 or par tour. Ah oui. Ah oui. Ah, là, tu m'épates. Pourtant, t'as pas mal de fer, pas mal de quevaux. Ah oui, j'ai 11 quevaux, moi. 11 unités de quevaux. Ouais, ouais. 11 unités de quevaux. Ouais, mais bon, le problème, c'est que c'est très bien ces ressources-là, mais elles ne produisent pas d'or. Eh oui. De ce fait, mais, seules les ressources de luxe produisent de l'or. Ouais, ce ne sont pas donc, des ressources de luxe. Voilà, quoi. Ah oui, c'est ça. Je suis dans la mouise. Ça, effectivement, ça pose problème. Un petit peu. C'est pas faux. Mais je pense que j'ai plus rien à faire. Je vais
passer mon tour et je vais direct commencer à faire des colons. Mon projet est de construire deux nouvelles villes. Alors j'avais dit une ici sur la face est du littoral et une à gauche. Ah bah tiens, il y a un camp de barbares, j'avais pas vu. Il y a un camp de barbares ici qui s'est caché. Je vais ramener mes cavaliers et mes lanciers. On va faire ça gentiment. J'ai une caravane aussi. J'ai une caravane, je vais faire une caravane entre Rotterdam et ah non, je peux faire qu'avec Amsterdam. Mince. Flûte. Ouais, je peux échanger la nourriture. Allez. Je vais changer la nourriture entre les deux villes. Comme ça va augmenter la croissance de Utrecht. Pour l'instant, je vais faire un moulin à eau, un cirque, un aqueduc, caravansérail. Je vais faire une bibliothèque. Et je suis à moins 2. Je vais faire une bibliothèque histoire d'augmenter la science. Ah Histoire ben vas-y, d'augmenter la hein. science. Ici, je vais faire quoi? Ben, un autre ouvrier, ce serait cool. Non, j'avais dit quoi? Un colon. Colon 6 tours. Allez hop, un colon. Un petit colon. Niveau technologie, on était parti sur quoi? Je me rappelle plus trop. Ah, administration, voilà, c'est ça. Administration, ouais. Pour le peu que Administration. j'aide, parce que forcément, avec Qui moins 28 or par tour, je ne produis que 4 sciences sur les 33,5 normaux. Ben, chaque point d'or en moins fait un point en moins de science, donc voilà. Ouais, bah, je suis à Ah. 39 de science pour l'instant. Donc on n'a pas dit ce que ça faisait administration, donc ça nous permet de pouvoir produire des piquets, des lansquenets, des Chichen-Itza, sauf que Chichen-Itza, c'est le nom d'une ville de Pascal, ici juste là, et on peut faire la merveille, sauf qu'elle a déjà été faite par Elle a les déjà été allées qui construite, oui. sont, ouais, qui sont juste ultra rapides. Donc, Par contre, nourriture de la ferme augmentée de 1 pour les cases ayant accès à de l'eau douce, ça c'est très pratique pour les oui. fermes posées à côté des rivières. Et un Tout à traité fait. de libre passage. Bon, ça c'est pour si jamais on a des alliés. Bon, ça nous servira pas trop durant ce let's play, mais bon. On sait jamais, hein. On peut très bien faire une alliance avec Pascal, hein. Ouais, non, mais Pascal, on compte l'exterminer. Bon, Ah. il serait temps quand même que tu extermines ces barbares là. Moi je vais faire de même. Je suis en train de travailler, regarde ça. Je vais faire de même, moi. Ok, bah écoute, j'ai. Tac, une ferme ici. Une ferme là. Et là, une ferme dans deux tours. Tour suivant, c'est parti. Et je vais aussi essayer de récupérer les mines de Salomon. Mais ça va être chaud, ça va être très chaud. Très très chaud. Là, je vais défoncer Oh. ce bateau. Ah, bah voilà. Putain, le jeu m'a. Ça m'énerve, ça. J'ai déplacé mes ouvriers pour rien, j'ai perdu un tour. C'est pas grave. C'est pas très grave. Je vais ramener mes piquets. Oh, ils ont un petit camp de barbares tout pourri, c'est parfait. Ah oui, j'ai pas dit ça aussi. Pascal est venu me convertir ma population au catholicisme. Voilà. Rotterdam et Utrecht sont maintenant catholiques. Bon, ça m'apporte quelques avantages. Plus ou moins utiles. Je sais pas trop d'ailleurs, mais. Enfin, j'ai oublié, faudrait que je regarde. Je te propose de passer le tour. Moi, c'est déjà fait. Passer le tour. Attends, On attend d'autres joueurs. j'ai des unités en attente d'ordre. Ok. Amsterdam, je suis en train de produire la guilde des artistes. J'ai déjà fait la guilde des écrivains. Ça va pouvoir me permettre de faire des personnages illustres. J'en ai toujours pas eu. D'ailleurs, tu t'en es servi à. Enfin, pourquoi faire ton. Ouais, Mon ton ingénieur, je m'en suis ingénieur, pas ouais. encore servi. Tu t'en es pas servi. Non. Bravo. Bravo, ça c'est. C'est très professionnel, hein. Oh, un ennemi est proche. Bon, eux, je vais les finir rapidement. On en met les lanciers au cas où. Je vais les soigner. Ah, bah tiens, bah voilà. En parlant de personnages illustres, regarde ce qui vient d'apparaître à Rotterdam. Un Voyons voir marchand ça. illustre, super. Super, super. GG. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore rencontré de cité-état. Non. Ah, il y a encore barbare ici. Tu le fortifies dans une ville, tu le gardes chaud et puis tu verras ça par la suite. Hein. Ouais, bah je le laisse à Rotterdam, écoute. Je laisse à Rotterdam et j'ai encore trouvé un camp barbare. Je vais m'empresser d'aller le détruire. Toi, tu vas passer par ici. Tu vas me faire. Toi, tu vas dormir. Hein. Hop, dormir. Dormir. Toi, tu vas te déplacer ici et tu vas nous faire une ferme. Eh bien, je te propose. Ah, je suis en déficit de moins 5 là. Et je gagne un citoyen.
dans un tour à Amsterdam. Ah, moi, je suis à moins 23, tu sais, voilà quoi, classique. Hein. Oh, on vient de découvrir Marie Première à Genghis Khan. Où ça? Aucune idée. Purée, t'as beaucoup d'armées, toi. C'est vrai que t'es pas mal développé. Hein. Ouais, ouais, carrément, ouais. Et carrément, ouais. On a découvert l'administration. Wouh! C'est la teuf. C'est la teuf. Mmh. Je construis une ferme ici. Oh, c'est parfait. On part sur quoi alors? Niveau, niveau technologie? Je pensais. Je sais pas trop encore. Éducation, ça pourrait être sympa. Ou alors boussole, or généré par les bateaux de pêche. On peut établir des routes commerciales supplémentaires. Des routes commerciales maritimes. Ah non, on vient de faire la mauvaise technologie. Ne me propose plus le guerrier picte. Oh, les boules. Ou alors le moulage. Moi, je pars soit sur boussole, soit sur moulage. Tu préfères quoi? Téléphone, 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 téléphone. Ouais, ouais, il vient de partir le téléphone, là. Ouais, ça le fait encore. Non, c'est bon. Ouais, bah ouais. Si, ça bah, le fait attends, encore. Je coupe le micro, 2 secondes. Vas-y. Ah, ça fait du bien. Bon, bah écoute, je pense qu'on va partir sur moulage. Hop, et puis on fera boussole juste après. J'ai réussi à réduire mes dépenses. J'ai réussi à réduire mes dépenses. Ah oui, on a trouvé, effectivement, on a trouvé le Portugal, il me semble, et Genghis Khan. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Qu'est-ce que tu fais là, Yamu? Reviens! Et j'en ai marre des petits freezes quand je filme avec Action. C'est vrai, c'est chiant. C'est... J'ai des petits freezes là. Bon, ici, on va démonter les barbares. Je vais emmener ça, on va s'y prendre correctement. Là, toi, tu viens ici. Et tu nous fais ça, voilà. Et tu te soignes. Ok. Non mais allô quoi, on est obligé de se faire emmerder tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès que on commence à tourner quoi. Non mais c'est la folie ça. C'est quoi, c'est Orange qui t'a fait chier? Même pas, ma sœur qui a oublié sa clé, dis-toi. Non mais allô quoi, sans déconner. Ah, bravo. Mais carrément. Bon, bah passe le tour. Donc je suis parti sur moulage moi, au cas où tu t'aurais pas remarqué. Ouais, j'ai fait la même chose. Ok. Ah, c'est moi qui les ai rencontrés, les Byzantins, avec un dromon byzantin, là. Ah non, Marie Première, c'est quoi, alors? Attends, non, Théodora, c'est Byzance. Voilà, c'est ça. Catherine, c'est les Russes. Ah, donc c'est moi qui ai rencontré eux avec leur dromon, leur bateau, là, en bas, là? Tout à fait, sûrement. On va voir. Ouais, ça doit être ça. Effectivement. Byzantin, ouais. Mais alors, pour le coup, Genghis Khan, c'est quoi, déjà, comme civilisation? J'oublie à chaque fois. Les Mongols. Ah oui, les Mongols, c'est vrai, voilà, c'est ça. Les Mongols, et puis Marie Première, c'est le Portugal. Oh, j'en ai marre des frises, là, c'est chiant. Qu'est-ce que je peux faire en communauté qui mange pas de pain? Un amphithéâtre, ça mange pas de pain. Non, un rempart, ça mange pas de pain. Ça fait friser, bordel, c'est chiant. Bon. Ah, mais j'ai 20 millions d'unités à déplacer! Allez, tour suivant. Ah bah attends, j'ai des unités à déplacer, mon garçon. Oh, là-bas. Je vais annihiler les barbares, moi. J'ai bientôt fini de développer un peu toutes les zones autour de Utrecht, là, qui va passer à 6 citoyens au prochain tour. Ouais. Promotion d'unité. En plus. Ah merde, ils ont des. Oh fuck, ça c'était pas prévu. Je vais ramener mes lanciers, mes piquets. Ils sont sur un terrain accidenté. Oh. Tac. Il est où mon guerrier? Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais devoir faire face. Alors. Putain de spadassin ici. J'ai un colon près dans 2 tours, c'est bien ça, c'est bien. Je vais essayer d'aller choper l'argent, ça va m'augmenter le bonheur là, les 2 cases d'argent. Ah oui, c'est bien ça. J'ai un peu de fer aussi. Un peu de fer. J'ai encore un bateau barbare qui sert à rien. Ah par contre. Merde. J'ai des piquets barbares qui viennent de spawn. Ça veut dire qu'il y a un camp barbare au nord. Que je suis pas allé. Non, attends, faut que je ramène mes piquets là. Mes lanciers, pardon, à chaque fois je me trompe. Parce que eux ils ont des piquets. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. J'espère qu'ils vont pas me choper mes ouvriers ou alors ma caravane. Et je suis passé à 7 de bonheur. Tu as arrêté de me fournir de la teinture. Pardon, je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais bâtir bientôt une ville près de Tikal là-bas. Donc. Ok. Près de Tikal. Alors je rappelle Tikal, c'est la ville de Pascal. C'est en Tikal. LOL. Ouais, bah, je suis obligé de la faire. Hein. Voilà, elle est à moi celle-là.
Ok, tu remontes. Encore désolé hein, pour la coupure. Non mais c'est grave. Je veux dire, Hein. c'est pas pardonnable. Et je suis à 18 citoyens, putain, j'ai une espèce de croissance exponentielle à Amsterdam, c'est fou. Bientôt les 20. D'ailleurs, Je suis à attends. 6 de malheur et tout. Aïe aïe aïe. En démographie, je suis à 3 571 000. Ce qui est très bien pour le coup. Alors, impasse. Vous allez attaquer. Vous allez attaquer. Ils m'ont bien pourri par contre, hein. On va aller sur les moutons. Alors les piquets. Non, les piquets, ça va, ils remontent. Mais je suis pas rassuré, je vais quand même les faire remonter. Voilà, plus de camps barbares, c'est parfait, je vais soigner mes cavaliers. Par contre, ça veut dire qu'il y en a un au-dessus. Et ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, un amphithéâtre, ça me fait quoi? De la culture, plus 1, ouais, mais ça me bouffe de l'entretien. Déjà que je suis en déficit de moins 4. Épopée Oh. nationale, génération de personnages Moi, tu sais, éduqués le dans cette déficit, ville. j'ai arrêté de le compter, hein. Je suis à moins 50, c'est pas grave, Moins hein. 30, ça fait moins 30, moins 30, Ah, 30. d'accord, pardon. Et puis Excuse-moi. un précieux là-bas, il y a un camarade. Je vais faire un aqueduc. Je vais faire un aqueduc. Ah non, non, je vais faire un colon, je suis con. Non, non, un aqueduc. Je me fais un aqueduc et au prochain truc, je me ferai un colon. Pareil à Utrecht, je vais faire un colon. Comme ça, je vais pouvoir faire deux villes. Disons qu'il faut faire gaffe parce que la fondation de ville génère beaucoup de malheur, donc T'inquiète pas, je suis à 7 de bonheur et j'ai des bâtiments. Par contre, je suis en lourd déficit là. Moins 8, le déficit se creuse de plus en plus. Ok, j'ai un colon. Et il me demande un emplacement pile là où je voulais, c'est parfait. Oh, ouh là là, j'ai eu de la chance. Oh, oh mon lancier qui a résisté. Vous allez vous soigner. Vous allez aller là. Ma caravane qui chemine. le problème, c'est que si je construis ma ville là où c'est que je veux la J'aurais fait des construire, dégâts. Ouais, j'aurais fait des dégâts, c'est vrai. je vais entrer en guerre forcément avec Tikal à un moment ou un autre et ça ne m'arrange absolument pas. C'est pas grave, On mon s'en fout, cher. on y va quand même. Allez, je vais me faire. Trouteau a été fondé. C'est trop tout. Non, je vais faire un colon ici. Allez hop. Comme ça sera fait. Eh, tu veux Chose en rire? construction. Juste en dessous de Tikal à droite, j'ai un guerrier picte. Ça fait je sais pas combien de tours qui Je fais un résistent. bateau atelier ici. Putain. GG. Ah, t'as fondé une autre ville. Truro. Ouh la vache. Ouais, Truteau, ouais. Truro. 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 Quel con. Quel con. Quel con. Quel con. De quoi? Moi, faut que je fasse une ville aux mines du roi Salomon là. Je Bon sécurise la courage. zone. Et j'ai fait un bateau atelier à Rotterdam pour aller choper cette case de poisson qui me fournira 4. 4. 4, ce n'est pas rien, 4. 4, c'est même excellent. Pour tout vous dire. C'est même génialissime. Allez, je passe le tour. Je t'invite à faire de même, très cher. Ah bah ouais, je passe le tour aussi, hein. Bah là, faut passer le tour, hein, je veux dire. Ah putain, les piquets là, je sais pas ce qu'ils me font, mais ça m'énerve. Ici, je vais construire un petit comptoir. C'est vrai que. Tac, vous soignez. Vous allez vous soigner. Tout le monde va se soigner. Alors, tu viens Allez. de recruter ton premier espion, mon ami. Moi? Ah ouais, alors comment ça marche? Ah, c'est parfait. En plus, en vidéo, c'est nickel. Donc, l'espionnage. Portail de T'acceptes le portail l'espionnage. de l'espionnage. Il te faut Ouais. déplacer ton espion dans une ville et en faire bah, un espion dans un premier temps parce que il n'y a que ce premier espion, d'après mon expérience, que tu pourras avoir au grade maximum. Donc là, bien entendu, on ne connaît que les Mayas, donc on va aller espionner les Mayas. Personnellement, Ouais. j'espionne Palenque. Tu peux prendre Tikal si tu veux. Je pense qu'elle aura également un bon potentiel, 11 et Ok, 10 de pas de population. problème. Tout simplement. Ok, c'est cool. Attends, je vais lire juste ça. Willem a atteint un nouveau grade, recrue. Il existe trois grades pour les espions, pardon. Recrue, agent et agent spécial. Chaque fois que l'espion monte en grade, il gagne en efficacité. Un espion de haut grade volera les technologies plus rapidement, identifiera et éliminera les espions ennemis plus facilement. Truquera les élections dans les cités-états de façon plus efficace. Ah, c'est excellent ça!
et aura plus de chances de réussir un coup d'état dans une cité-état. Mais c'est magique, tu peux faire vraiment des trucs excellents. Oula, attendez. Un coup d'état dans un autre allié. Oh putain, ça c'est génial. Les espions montent en grade lorsqu'ils réussissent à voler une technologie. Oh mais c'est génial, voler des technologies. Ouais. Conspiration. Oh putain, conspiration quoi. C'est génial. Oh, ils ont ajouté plein de trucs. Donc, je peux aller explorer Tikal, tu m'as dit ? Moi, ouais, parce que je me suis mis sur Palenque. Ok. On aura également le détail de Palenque, etc. Donc, alors, bon, voilà quoi. Déplacer, choisissez une ville pour que Willem s'y installe et commence des opérations. Oh, 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 non, mon espion. J'ai Monsieur Queen. Monsieur Queen. Moi, j'ai Willem, ça a tellement la classe, Willem. Oh, il s'appelle Christophe par hasard ? Tikal, dans un tour. Non, non, je sais pas comment il s'appelle. Bah, allez, Christophe Willem. Par contre, c'est ah oui, portail, c'est par ici, d'accord. Dans un tour. Il a pas compris la référence. Vous avez remarqué, il n'a pas compris attends, redis, j'écoutais peut-être pas. Redis, pardon. Christophe Willem. Oh, putain, mais c'est tellement moisi que je sais même pas pourquoi j'ai répondu. Écoute, moi j'ai la femme médecin, alors s'il te plaît, hein. S'il te plaît, là, je pense que tu. Déjà, tu. Ok, hein. Voilà. D'abord. Bon, tu passes le tour, Marcel. 2 secondes. Je te prie. Unité en attente d'ordre. Mais tu restes là. T'as un piqué qui s'est calé là sur tes moutons, quoi. Mais malheur. Oh, quoi. Date freeze. Le freeze de l'infini. Oh, ils m'ont pillé, les salauds. Comme d'hab. Ils m'ont pillé, les poucres. Ici, il y a des bonnes cases fertiles. Voilà, vous allez crever, oui. Putain, je vais devoir réparer, ça va me coûter bonbon encore. Ah oh là là, et toi tu meurs. En tout cas, je me développe plutôt très très bien. Je vais bientôt fonder ma 3e ville. Que du bonheur, j'ai de l'argent encore. Je vais me spécialiser dans l'argent, je pense. Une technologie dans un tour. Il faudrait plus d'ouvriers, il me faudrait 2 autres ouvriers au moins pour développer encore plus vite mon empire qui ne cesse de se développer. Toi t'as ta muraille de Chine, ah, purée, mais t'as vraiment beaucoup. Tu m'étonnes que tu sois en défi. Oula, j'arrive plus à parler. Tu m'étonnes que tu sois en déficit avec toutes les unités militaires que tu possèdes. Ah oui, mais je suis obligé pour me débarrasser des barbares, à un moment ou un autre, il fallait faire un choix quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je suis à Tikal. Au revoir. Je peux échanger avec Palenque. Je me suis même pas posé la question. Putain, ils sont en déficit, les Mayas. Mais carrément, c'est... voilà. J'aimerais bien du sucre. Du sucre contre du vin. Je n'ai jamais vu d'échange aussi inéquitable. Attends, bah oui, bien sûr, il voulait que je vous fournisse de l'or, du marbre, du vin et des chevaux. Non mais ça va pas ou quoi? Ouais, jamais de la vie. Non mais je crois qu'il a mal compris le Maya quoi. J'ai un marchand illustre qui est né. Bah pareil, moi j'en ai un aussi, mais bon. Toi tu vas aller là. Bon, les piquiers, on va les terminer. Voilà, les piquiers, ça n'existe plus. Bon, on va attendre. Putain, je me développe trop rapidement à Amsterdam. C'est chaud, là. Je perds du bonheur à vitesse grand V. Je suis à moins 9. Il faudrait quelque chose pour... demande de faire un atelier. Je vais faire l'épopée nationale. Histoire d'avoir plus de personnages illustres produits dans ma ville. Ouais, si tu veux, ouais, c'est une solution. C'est vrai. Je vais bâtir ma 5e ville bientôt. Ta 5e ville, ouais, moi j'ai fondé ma 4e ville et ma 5e ville bientôt aussi. Bah, ma 4e ville, là, d'ailleurs, je vais le faire. On part sur quoi en technologie boussole, moi, je te propose. Ça marche. Allez, on part sur boussole. J'adore, moi ça marque 69 tours et une fois que l'urne s'y met, ça marque 9 tours. Tiens, alors attends, c'est marrant ça, mais du bonheur puisque ressources de luxe. Allez Marcel, quand tu veux, tu passes le tour. Dans un tour, j'aurai ma ville.
Choisir une construction. Tu permets, Michel? Voilà, hein, s'il te plaît. Je vais faire un cirque. Ici. Ça me semblera très bien. Oh, je suis à moins 10. Ah, l'Alhambra a déjà été construit. Non, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Par contre, là, tu vas aller réparer ça. Toi, tu vas retourner ici. Toi, tu vas te soigner. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ah, oh, putain, au prochain tour, je pourrais créer ma ville. Au prochain, au prochain. D'ailleurs, on va voir quel nom elle aura. Putain, je me développe à vitesse grand V, c'est juste n'importe nawak. Pareil. T'as combien? T'es à 11. Ouais, capitale, tu galères un peu quand même. Normal, je suis un malheur continu, tu sais. J'adore faire chier. Non, mais c'est normal, je suis vraiment un malheur continu, quoi. Ouais, mais c'est parce que tu t'y prends pas bien, t'as pas la technique. Genre... s'il te plaît, je suis spécialiste. Hein, je suis spécialiste, alors voilà. S'il te plaît, d'abord. Bon, par contre, l'espion, il sert à quoi en fait maintenant? Parce que vu qu'il est dans la ville, je peux en faire quoi? Attends, prochain tour, tu le sauras. D'accord. Mais ça fait deux tours qu'il est dans la ville. Mmh. Bon, quand il veut, hein. Enfin, je sais pas, moi. Au bout de trois tours, il va commencer à établir une surveillance. D'accord. Et après, il va pouvoir essayer de voler des technologies. Génial. Alors ça c'est tout bénef. Tout bénef pour nous. Surtout qu'on est vraiment à la ramasse. Ouais, niveau technologie, c'est vrai. Pourtant, attends, merde, comment on fait? Ah, vos technologies. Pour passer à l'ère... Attends, j'arrive. Mais bouge. On veut passer à l'ère, à la Renaissance. Attends, c'est vrai qu'on est en retard, là. Mmh. Ensuite, tu auras l'ère industrielle. L'ère moderne. Putain, il nous reste du temps. Il nous reste du temps. Il nous reste du temps. Pascal complote contre moi. Ah, ben, Pascal, écoute, il fait ce qu'il veut, Pascal. Et Pascal est construit en Corvate à Palenque. Et là, maintenant, je peux voir sa ville. En Corvate, il finit en Corvate dans 3 tours. Ah, a découvert qu'une armée maya est en marche pour une attaque surprise contre une autre civilisation. Ouais. Ah ouais, putain. Le bougre, le bougre. Complot est mis au jour, là. Je vais fonder ma ville. Oh, j'ai zéro de bonheur. J'ai fondé Groning. Groning, je pense, ça se dit. Oh, Groning a été fondé. Wouhou. Gloire. Ah, moi, j'ai fondé Nantes. Ouais, mais toi, on s'en fout. Non, mais Nantes, il me semblait que c'est une ville française. Ouais. Le mec, tu sais, Nantes. Ah bon, c'est français, Nantes. T'es sûr? Bah oui. Ah bon? Il sait pas où. C'est pas dans quel pays il vit. Ah bon. Oh, c'est bizarre. Moi, je pensais pas. Putain, t'as 5 villes, vieux bougre. Bon. Résultat, j'ai quand même gagné un peu plus d'argent. Et j'ai un colon qui est prêt bientôt. Vous restez là. Oh, mais c'est choquant. Je gagne des citoyens tous les deux tours à Amsterdam. Je sais pas si tu réalises. Je vois ça. C'est bah, normal, choquant. T'es tout qui est en ferme et tout. Donc bon, ça va très vite la nourriture là. Ah bah ouais. Hein. Bah oui. Bah oui. Mais oui, c'est clair. Évidemment. Bon. Bon. Par contre. Moi, je galère un peu plus. Bah ouais, pour une fois, hein. Pour une fois, parce que dans la partie d'avant, on joue en multijoueur. Croyance de réforme. L'Arabie a ajouté une croyance de réforme à sa religion islam. Bon, bref, je m'en fous. Ah, j'ai mon colon. Truto a été converti au catholicisme. Ah, welcome. Bienvenue. Bienvenue, tu es catholique avec moi, maintenant. C'est cool. C'est trop cool. Bon, alors construction. Ici, tu vas me faire un petit moulin à eau. Ou un truc qui fait du bonheur. Un cirque. Allez hop, un cirque parce qu'il me faut du bonheur. Tu veux pas qu'on rééchange, non? Comment dire? Non. Pour l'instant, je suis un petit peu dans la cagade. D'accord. Bon, complète, la plus totale, la plus
La plus affreuse. La plus affreuse et la plus ignoble. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas mal de pardon, de je cherche le mot d'unité d'unité L'unité barbare tout court, le ouais, parce que. Pascal, non, le Pascal. Ah ouais, Pascal, carrément, ouais. Pascal, ouais. Ah, on voit aussi Ouais. Tical du coup. Ah, il a fondé Uxmal. Oh putain, faut que j'aille choper les mines du roi Salomon, ce serait génial. Il l'a fondé où, Uxmal? Juste à côté là. Ah ouais. Ah, mon unité, elle est passée juste. Tu sais, elle est passée entre les mailles du filet, celle-là. Ouais. Oh, il y a du cuivre là-bas. J'aime à ce niveau du jeu quand ça se développe comme ça de plus en plus, que tu commences à créer plein de villes. Je kiffe ce moment et on est déjà à 30 minutes. Ah, on fait le dernier tour. C'est la mort. Ouais, pas de problème. Tour suivant. Tour suivant. Au fait, tu bosses la semaine prochaine? Ouais, je bosse, ouais. Merde. Tu seras pas là le soir alors? Ça dépend à quelle heure. Bah le soir. Et le soir, c'est ce que c'est le soir ou... Je sais pas, 21h, 22h, non? Si, là, je serai là. Bon, ben voilà. Oh, je peux adopter une doctrine. Bien joué, bien joué. Purée, j'en ai marre des petits frises là, ça me saoule. Je continue l'honneur. Putain, c'est chiant les frises. Oh, un général illustre est apparu. Putain, mais t'as tellement de trucs, général illustre. Vous, vous êtes soigné, vous allez rester là. Putain, je perds tout mon fric, ça ne veut rien dire. Je te propose d'abord que je crée ma cinquième ville et on se quittera là, Il y a non? des cavaliers là-bas. Aïe, aïe, aïe. Non? Ouais, si tu veux, ouais. Oui, retour à la carte. Oh, moins 15 de déficit! Aïe. Aïe, 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 aïe. Je comprends pas, la 28 entretien des unités. Ah, je produis pas assez avec les villes. Hein. Ah, mais il n'y a pas de connexion urbaine. Forcément, faut que je fasse des connexions urbaines. Tu sais combien ça coûte les routes? Non. 1 or par route. D'accord, oui, mais après, ça te fait de l'argent quand même. Attends, je vais voir si je produis de l'or avec la capitale. Ouais, non. Ça vaut pas le coup. Dis-toi bien que je gagne quand même 15 or à cause des échanges commerciaux que je fais et j'en perds tellement. Mais j'en perds tellement d'or. Il faudrait qu'on échange tous les deux aussi. Tu veux échanger quoi? Des Alors, je choses. t'échange Amsterdam contre. Non, ouais, non, 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 pas des villes, non, non, pas des villes, je crois que vous avez mal compris. Ah Bon, bon. tour suivant, Le Michel. problème, c'est que tout ce que j'ai entre guillemets, voilà quoi, ce que j'ai moi ici, ça te sert à rien. Et ce que t'as toi ici, Ouais, en fait, ça me sert à rien, concrètement, ouais. moi. Moi, ça me sert à rien, quoi. Oui, c'est vrai, concrètement, c'est vrai que ça me sert pas à grand-chose. Mais bon, c'est pas grave, c'était pour essayer. Je vais me refaire d'autres caravanes d'ailleurs pour recommercer entre mes propres villes. Ça pourrait être sympathique. Je te propose de passer le tour, Henri, s'il te plaît. Ah, oh, j'étais en train de calculer un échange qu'on pouvait faire, mais bon, tu veux pas. Ah, bah si. Non, mais si, 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 je te propose de revoir les termes de ton échange. Oh, l'encore a été construit. Mince. Ouais, bah c'est Pascal le grand frère, hein. C'est Pascal! Sacré Pascal! Toujours le beau pour rire. J'ai un cirque bientôt, je suis à moins 15. Oh la vache. Putain, j'avais un âge d'or tout à l'heure, en fait, c'est pour ça. Accord proposé, voyons voir. Sur 5 fers contre 20, ouais, j'accepte. Oh, je suis à 2 de mécontentement! Non, 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 non! On vire, on vire, on vire! Yes! Comment on fait, comment on fait, comment on fait pour annuler cet échange à la con? 30 tours, mon ami, 30 tours. Comment on fait? Non, on peut pas! 30 tours. T'es sérieux? Ouais. Non. Non. Si, je suis sérieux, c'est 30 tours.
Tu m'as couillé mon vin, enfoiré. Putain, je suis passé en mécontentement par ta faute. Oh. J'espère que tu es content. Oh, il y a une trirème mongole. Bon, prochain tour. Vas-y, prochain tour, vite. Pour pas que ça dure trop longtemps, faut que je pose ma ville et après on s'arrête là. Allez, hop. Attends, c'est que moi j'ai quelques unités à bouger quand même. Je m'en fous. Plus vite. Jeune. Jeune, voilà, jeune. Ce sera le mot de la fin, jeune. Tu ne traites pas de vieux sac ce coup-ci, tiens. Vieux sac. Oh merci, c'est pour mon enregistrement personnel. Ouais, ça me faisait plaisir. Ouais, bien. Ça faisait très plaisir. Bon. Allez, je pose mon... Ah mais non, je veux pas pouvoir. Faut encore passer deux tours. Cet épisode va durer l'infini. L'épisode de l'infini. Allez, ça. Toi, tu restes là. Ah oh, bah si. Je peux la poser ici. Je peux la poser ici. Bah, je vais la poser là. Attention. Breda a été construite. Oh, je suis passé à moins 1 en déficit. Génial. Et je suis à 3 de mécontentement. Mais ça sera réglé. Avec. Avec le Colisée ici. Ici. Choisir une construction. Ben écoute, on part direct sur le grenier. Donc voilà, je te propose qu'on s'arrête là. Et il faut pas passer pour valider ta ville de toute façon. Oui, effectivement. D'abord, je vais aller m'attaquer à eux. Et des archers composites. Bon, vas-y, tour suivant. On passe le tour et on s'arrête là. J'ai tellement d'unités. Tellement d'unités. En tout cas, voilà, là on se développe. Je ferai d'autres colons prochainement pour aller explorer dans cette zone-là et m'installer. Il y a pas mal de ressources de luxe comme de l'argent, vous voyez, des vaches, beaucoup de nourriture. Et à droite, enfin à l'est, il y a sûrement des camps barbares, mais il faut que je m'implante aussi. Il faut que... Voilà, faut que je pose ma patte. J'aime dire ça. Ma grosse patte. Bon, voilà. La grosse patte veut. Ah, je suis plus en déficit. Super. GG, je sais pas comment t'as fait parce que moi c'est mort, moi. Toi c'est... Moi c'est mort et enterré. Toi c'est la déchéance, toi. La déchéance la plus totale. Bon ben voilà, ça sert à rien de faire bouger les troupes parce que... Alors, la sauvegarde va dans tous les cas nous remettre au début du tour. C'est vrai. C'est pour ça que je mets quand même des fermes. Bon, allez, je sauvegarde. Bah non, je vais pas sauvegarder maintenant. Donc on vous dit à la prochaine, on espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Tout à fait. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Tout à fait. Salut à tous. Merci à tous, bonne journée à tous, bon jeu, bon dimanche, bon lundi, bonne semaine, bon week-end, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé. Ouais, c'est bon. Et joyeux Spack. Bon allez. La déchéance la plus totale. Ah oui. Allez, ciao les gens. Portez-vous bien. Oui.